vraiment travailler pour que tout soit bien en équilibre. Le poids tombe dans les talons, la poitrine est soulevée et vous avez un contre-équilibre avec la main. Halinda, vous êtes là? Je sais que vous allez donner tout ce qu'il y a en vous et que vous êtes engagé à 100%. 4, 3, 2, pliez de la valise. En bas, en bas, en haut, les genoux sont dans l'alignement des orteils, la poitrine est soulevée, choisissez votre rythme et on y va. Dans ce qu'on bouge, en musique, parfois c'est dur de ne pas être dans la musique. Allez, appuyez sur les talons. On va changer de bras. 3, 2, et on passe le poids de l'autre côté. Même chose. C'est bien. Assurez-vous que vous mettez la même pression dans les talons. Il n'y a aucune rotation, c'est le nord et le sud. Serrez les fessiers, allez, il reste 15 secondes. Est-ce que vous vous sentez fort? Oui. Et maintenant, un penché et une fente arrière. 3, 2, 1, on se penche, on écarte, on revient et on remonte. Ce mouvement se fait par les coudes et surtout par le petit doigt de votre main. Il n'y a aucun balancement. Restez bien concentré. Soyez déterminé et dites-vous, yes I can, oui je peux, yes we can. Allez, on continue. 30 secondes. Je le sens aussi. Allez, allez. Tout ce que vous pouvez faire pour arriver jusqu'à la ligne. Vous êtes fort, on ne vous laissera pas tomber. Continuez, continuez, 2 répétitions. Maintenant, une halter. Pliez du sumo. 3, 2, 1. Allez, pliez, relevez. L'haltère remonte et vous voyez que les coudes sont pointés vers le sol. Lorsque vous remontez, je veux que vous mettiez sur la pointe des pieds, que vous le sentiez dans les mollets et que votre coccyx tombe complètement. Maintenant, vous serrez lorsque vous remontez. 30 secondes encore. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 30 secondes? Vous allez donner le maximum. Avec un bon contrôle. Allez, allez. Il reste quelques secondes encore. On continue. On va retourner au tapis. On va retourner en écarté couché. Alors, on se met bien au-dessus des épaules. On ancre le corps. Sur 3, 2, 1. Rapide. En revenant. On ouvre la poitrine. Les épaules sont bien relâchés, choisissez le rythme, 3, 2, 1, allez, 45 secondes, de ce que vous avez de meilleur, les haltères restent alignés avec le centre de la poitrine, c'est tout, c'est ça, restez fort, allez. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. 59 séances déjà. Vous êtes plus fort que quand vous avez commencé. Terminé, il reste quelques secondes. Mouvement suivant. Fente. Sur le côté avec pulsation. En bas, milieu, en bas. On change de côté. Le genou est avec le milieu du pied. On fait des corps sculptés, définis. Il s'agit de ça dans cette séance. Tout ça en moins de 30 minutes. Vous pouvez y arriver. En bas, milieu, en bas, en haut. Poitrine relevée. Allez, serrez les abdos. Faites un nouveau défi. Plus profond. Allez. On vient avec des répétitions bien nettes.
c'est un défi et que vous avez envie de vous arrêter, mais c'est impossible. Et c'est le Brave Heart. On passe à 45 degrés, rapide, lent, lent. Cherchez l'équilibre. Allez avec moi. Si besoin, vous ne faites pas de pulsation ou vous faites tomber le pied. Ce move vient de notre séance où on travaille tout le corps. On va travailler des petits groupes musculaires. On va chercher l'équilibre et on change de côté. On alterne. Lent, 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 rapide en relevé. Et c'est le coude qui mène l'action. Et votre coude est bien souple en haut. Serrez les abdos, ça va vous permettre d'être en équilibre. Il reste 15 secondes. Si vous voulez travailler davantage, tombez un peu plus dans la jambe d'appui. Et votre genou est bien au-dessus des orteils. Encore quelques heures. Et maintenant, on va se pencher. Les coudes vont vers l'arrière. C'est ça. Allez. Merci Jessie. Surtout, vous ne creusez pas le dos. Le menton est rentré. Les yeux sont droit devant. Et le dos est bien plat. Si vous voulez, vous augmentez le rythme un peu. Allez-y. Combien de répétitions parfaites pouvez-vous accomplir jusqu'à la ligne d'arrivée? On est à la moitié de la minute, restez. Ça va mon équipe? Et c'est vous très bien, et vous? Vous faites partie de notre équipe aussi, vous le savez. Ça va? C'est super, continuez. Allez, premier. Tout le monde termine. Le mot suivant. On fait le stop crusher, on va aplatir le crâne. 3, 2, 1. C'est pas grave si vous êtes un peu derrière moi. Par les coudes, vous allez vers l'arrière à 90 degrés. Les transitions sont rapides. Il y a beaucoup d'urgence dans cette séance. C'est moi qui mets le clignotant lorsque je change de voie. On serre les abdos. On trouve une longue colonne. Quoi qu'il arrive, surtout, surtout, n'abandonnez pas. On y est presque. Et vous êtes allé bien trop loin maintenant pour arrêter 59 séances. Cherchez ce qu'il y a en plus profond de vous. Les bras sont droits et bien forts. Je sais que vous devez bien agripper les haltères parce que vous transpirez beaucoup des mains. On définit les triceps. Maintenant, vous prenez une haltère lourde. On fait le pont de l'eau. Et on va pousser par les talons. Allez, allez. Avec moi. En haut, serrez les fessiers, revenez au milieu. Tout en haut, on serre un peu plus. Choisissez votre rythme. Jessie est là, il est derrière nous, il nous encourage. En haut, au milieu, en haut, tout en bas. Et on lâche complètement sol. Maintenant, un petit peu plus vite. Un petit peu plus haut. On continue. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus dans ce move? Vous voulez des fessiers de mieux définis? C'est comme ça qu'on le fait. Allez, vous serrez un petit peu plus en haut. Il reste un seul move. Et il s'agit des abdos. Qui est prêt? Moi, je suis prête. Allez, les couteaux. En haut, on ouvre. On ouvre et on ferme. Vous serrez les abdos. Les bras, les jambes sont bien forts et bien droits. Et vous décollez les omoplates. Utilisez votre respiration. C'est un move qu'il ne faut pas précipiter. Prenez votre temps. Votre bas du dos reste collé au tapis. Vous décollez les omoplates lorsque vous atteignez les orteils. Allez, allez. 30 secondes encore. Allez, Sienna. Allez, Val. Déjà. Il reste moins de 15 secondes.
En commun, 4.